Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo pour que vous puissiez déjà vous informer de la situation qu'on vit au niveau du PK9, en face de la brigade du PK9. Il y a un commerçant nigérien qui est donc locataire de son bailleur, je n'ai pas son nom. Il est spécialisé dans la fourniture de fausses bornes, dans l'ouverture, la fermeture des compteurs, le sabotage des installations de la SCG. Nous vivons ici des difficultés avec cet individu que j'ai pu prendre en vidéo. Voilà. Il crée une pagaille, mais vraiment une pagaille chez nous. Nous avons donc fait l'erreur de permettre à la SCG d'aménager leur installation dans nos terrains, compte tenu des jolis travaux qui ont été effectués pour la nationale avec Colas. Nous sommes contents d'avoir ce parking juste devant chez nous. Mais il y a des individus qui nous rendent le terrain, on va dire, marécageux en faisant des travaux, je pourrais dire ça, artisanaux, avec des matériaux artisanaux, pour justement saboter justement le travail de l'État, de la SCG. Ils créent des fausses bornes, ils créent des outils, il est payé pour aller à gauche, à droite, faire ses installations. La seule information que j'ai, c'est que les Nigériens, et c'était un locataire en face de la brigade de la gendarmerie, donc de la brigade là. Voilà, il vient, il ouvre, il ferme des compteurs comme ça. La SCG était venue fermer, et là, il vient à peine de rouvrir, il continue s'approvisionner en eau. Ils le font comme bon leur chante, et c'est lui l'investigateur numéro 1 ici, réputé dans ce genre de service. Donc, faites attention si vous voyez cet homme chez vous, il est très dangereux. Il est très, très, très dangereux. Faites attention, j'espère que vous avez pu l'identifier, les Nigériens, juste là, en face, là, c'est son commerce, il y va. Donc, je vous dis merci, soyez prudents, et vivement que les autorités puissent faire quelque chose, parce que on n'en peut plus. Je vous dis merci et à bientôt.